Tu viens de terrasser les deux créatures qui étaient au fond du cachot avec l'intendant Bragg. Je vais demander un tour de table de description sur ce que vous faites, sachant que je vais commencer déjà par dire à Grunlex ce qu'il a pu observer sur les cuves, vu que pendant toute la durée du combat, même si le combat n'a pas été... ça fait. Dis plutôt qu'il avait confiance. Bah, je savais rien, je le savais. Donc. Avec un bras, j'ai plus de points de vie. Ah, je crois que tu voulais dire, tu savais que j'allais le gagner en fait. Ah non, je savais que je servais à rien. Mais okay, j'avais d'accord. confiance en toi aussi, vu que je montrais mon dos à la trappe, donc j'avais confiance. Et puis personne ne doute de ta capacité à tuer des choses, Théo. Hein. Je te vais te demander, s'il te plaît, Grandlake, un test de mental plus artisanat. Ok. Plus technologie, pardon. Technologie. Donc, ça te fait 70 en mental, plus 15 en technologie, 15. Si tu es en focus, ça te fait en focus. 90. 49. Au cours de tes quelques minutes d'observation, on va revenir au niveau de la map, tu es ici, tu remarques aux endroits manquants sur le corps des personnes qui sont dans les cuves, tu vois sur le bord de chair une petite poudre brillante, on dirait de la pierre précieuse en poussière. Et qui fait partie intégrante du corps. Comme si le corps s'était cristallisé. Comme si le corps avait généré lui-même de la pierre précieuse. Ça renforce l'idée que les gemmes de pouvoir se naîtraient de... sont synthétisés, d'être vivants au départ. Ouais, de... ouais, comme dans Fullmetal Alchemist. Oui, mais ça fait des petits liquides dégueulasses et pas des gemmes de pouvoir. Oh là. C'est un excellent dessin animé. Je sais pas, je sais pas mieux que j'aime les hologrammes. Alors, est-ce qu'ils sont encore en vie, si je peux poser la question, déjà pour m'acquérir de leur état de santé. Est-ce qu'on peut mettre un coup dans une cuve comme ça, voir si c'est ça des bouge. Cuves, donc elles sont, c'est des cuves ouvertes par le dessus. Non, ça fait des sortes de piliers, ça monte jusqu'au plafond. Ouais, c'est fermé au plafond. Mais Grunlake, est-ce que tes observations, ils sont encore en vie ou pas? Alors, tu peux pas analyser le corps. Cela dit, ce que tu as pu analyser sur le mécanisme de la cuve, tu peux voir qu'il y a un système de vidange et un système pour pouvoir dégager les corps sur le côté. Et il y a ici, sur les côtés, ici et là, des petites grilles d'évacuation. Probablement, lorsqu'on va évacuer ces corps, le liquide va s'étendre au sol et probablement s'évacuer par ses orifices. D'accord. Donc c'est que ça doit être assez safe, je pense, parce que si les gens appuient sur les boutons et se font défoncer par le liquide, ça marcherait pas trop. Ça s'éjecte par le bas, apparemment. Oui, ça mais la partie en pierre. Don't, pour deux raisons, à mon humble avis. La première, c'est que ce liquide est peut-être infusé du pierre de pouvoir et on sait pas où est-ce qu'il va. Il pourrait toucher une créature que ça ferait muter et on n'a pas besoin de Tortue Ninja sur la gueule. Et ensuite... Mais c'est pour ça que... Oui, mais je serais assez curieux de voir si mon bras pourrait réagir à ce liquide ou à cette poudre. Il pourrait m'arriver aussi. Après, c'est peut-être la fosse dans laquelle quoi qu'il je suis. Advienne, il est important de sortir Théo et l'intendant et de le soigner et surtout lui poser des questions vis-à-vis de ce mécanisme. Oui. Il en sait plus que c'est nous vrai. Et il pourrait nous dire si c'est dangereux ou pas. Et si jamais il en sait rien, bah on teste, mais on le sort de là d'abord, faut pas déconner. Bonne remarque. Donc, tour de table, Grunlake. Tu as agi. Théo. Alors, deux coups d'œil, est-ce que cette femme là, ici, sur laquelle je clique, est vivante? C'est pas une femme. C'est l'intendant. C'est l'intendant. Mais je crois que déjà la première fois que tu l'as vu, que t'avais dit que c'était une femme. Oui, c'est vrai en plus, ouais. Ah oui. Ah oui. Oui, mais en même temps, c'est un elfe, alors bon. Ah mais il a les cheveux blancs. Non, c'est pas un elfe, on a déjà parlé de ça. Bon, écoute, et lui, là, il est vivant ou pas? Non, c'est juste une armure, il y a des morceaux de dos. Ah bah je vais lui voler son armure, alors. Il y a
le restant d'un cadavre qui a été rongé, re-rongé. Très bien. Par les vers, bon, écoute, par d'abord, les... je vais l'aider dans l'ordre. L'aider. Je vais dire, ça va, vous pouvez bouger ? Très difficilement, mais je vais pouvoir si vous m'aidez, si je peux m'appuyer sur vous. La réponse est oui. Allez, c'est parti. Non, Théo, fais pas le con. Soigne-le d'abord. Soigne-le. Sors, la clepsydre. Théo, fais pas le con. Allez, bon, bah, je le soigne pour un point de vie. Ah non, bah, balance ton spell, enfoiré. Sauvera, quoi. Balance tout ton spell. Écoute, do it, fagot. C'est incompressible, hein. Ça te coûte 2. Ah, 2. Oh là, et oui, c'est toi. Allez, pas attends. Tu as raison, Théo. Soigne X points de vie. Bah voilà. X psy. Ah. Je suis pas obligé de lui donner non plus. Il est mourant, il est essentiel. Il est mourant, il est essentiel qu'on le garde en vie. Balance tout, bordel de merde. Mais je veux juste lui donner assez de le soigner, juste assez pour le faire remonter en haut. Non, soigne-le à fond. Là, il aura juste assez pour remonter en haut. Un point de vie, ça sauve pas quelqu'un. Bon, allez, vas-y, je soigne les deux. C'est merci. Bon. Je voulais garder l'autre pour Grunleck, quoi. Mais on se reposera 5 minutes, tu méditeras, et puis voilà. Bon, allez, mais je soigne pour 2 points de vie, donc... Donc, tu apposes tes mains sur les parties manquantes de sa chair. Il y a la lumière qui se transfère par ta peau, et tu vois sa régénération se produire. Tu vois aussi, sur son visage, le soulagement. Grâce à toi, il va survivre. Ce qui était loin d'être gagné au départ. Putain, c'est pas dommage. Allez, debout, on y va. Oui. Il se surprend néanmoins. Et tu vois que, étant donné qu'il a récupéré une partie de sa volonté, tu vois quand même une étincelle de défiance lorsque un enfant des ténèbres, car je vous rappelle que l'un de ses parents, vu qu'il est d'origine divine, l'un de ses parents est... celui des ténèbres. Et l'autre parent est humain. Ouais. Tu vois un regard légèrement défiant à ton adresse. Ouais, bah arrêtez de me regarder comme ça. Moi, je suis enfant de la lumière, mais c'est seulement les mardis et jeudis. Allez, debout. Très bien. Donc, est-ce que... tu l'aides, tu le soutiens, et saisi par, pas Grand Lake, mais par Shin et par Bob, il arrive à la surface. Alors attends, et avant de partir, une fois que je l'ai aidé à remonter, je redescends et je prends l'armure de ce mec là. Attends, je voudrais... Et je veux prendre le fusil aussi. Je voudrais redescendre, voilà, ouais, bah, fais ça. Prends le fusil et prends l'armure. Regarde, mais s'il n'y a pas fait, d'autre chose. Ne mets pas, attends, ne mets pas l'armure. Prends l'armure, amène-la à l'étage, je vais y mettre le feu, je vais épurer de toutes les saloperies dedans. Ça va la sanitiser parce qu'il y a des vers grouillants à terre. Tu mets ça sur une plaie, tu vas choper le cancer du manga. Donc, Il est déjà pourri, il est en train de crever, donc mais on va pas lui rajouter le sida par-dessus le cancer de l'espace, quoi, s'il te plaît. Fouille la zone, il y a peut-être des choses qui sont pas apparentes. Je vais fouiller d'une manière générale, mais bon, ce qui est évident, c'est déjà l'armure et le fusil, et je vais fouiller le reste aussi. J'aimerais... Et puis, venez m'aider à fouiller aussi. J'aimerais descendre, parce que je suis le plus léger, j'aimerais descendre pour l'aider à le fouiller, si possible. Très bien. Merci. Donc, Bob, tu descends pour fouiller, pour aider Théo à fouiller. Et remonter le fusil, l'armure, le casque, tout le bordel. Voilà, c'est ça. C'est que tu vas pas mettre ton armure en bas, c'est juste la mauvaise idée. Tu vas mettre ton armure en haut. Donc tu transfères l'armure à tes camarades qui sont en haut, voilà. Autant que possible. Et ils s'en occupent et ils tiennent de côté pour que tu le enfiles au moment où tu arrives à la surface. Tu donnes aussi le fusil, pas de problème. Et tu te mets à fouiller le reste. J'aimerais, si je peux préciser ce que je fouille. Oui. Alors déjà, tout objet humain, c'est-à-dire dès que ça ressemble à un objet utilisable, j'aime pas des os, les ossements ça ne sert à rien, je m'en contrefous, mais voir s'il n'y a pas du matos qui traîne à gauche à droite. Je garde cette petite flamme là qui est mignonne, de manière à pas y voir quelque chose, mais tranquille, tu vois, de toute façon je la sentirai si elle part en sucette. Et j'aimerais surtout étudier ces gros lézards, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait récupérer d'eux qui serait utile, un sac de venin, n'importe quoi en fait. Tu t'es cru dans Far Cry, tu veux commencer à faire des charognards, le mec. Allez. Non. Mais on ne sait pas. Un test d'érudition, s'il te plaît, plus mental. Merci. Parce que si jamais on peut trouver un truc et empoisonner ton épée, ce sera toujours ça de prix. Il remonte avec un collier d'oreille comme ça. On peut le cuisiner aussi. Oui. Ça peut faire de la nourriture. Le nain et sa bouffe. Alors du coup, mental plus érudition, ça fait 90. Donc allons-y. On va bien voir. 29. C'est honnête. Donc en effet, ce que tu remarques, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est que les reptiles, ces reptiles, maintiennent dans une certaine mesure en vie
leur garde-manger. Et la manière dont ils procèdent est la suivante. Ils ont des petites glandes derrière les dents et ils paralysent la chair dans laquelle ils mordillent régulièrement. Ils prennent ce dont ils ont besoin, à peine pour se maintenir en vie, et ce qu'ils font rentrer, ce qu'ils injectent, maintient la chair pour éviter la nécrose. Ah, et ça paralyse par la même occasion. Très intéressant, du formol, mais fonctionnel. Grand Lake, tu peux me prêter un couteau, s'il te plaît? Tu peux carrément envoyer les steaks à la surface. Hein. Ah, bah si, oui, non, je vais les prélever là. Ça sert à rien de sortir tout le monde. C'est pas l'endroit le plus, ouais. Le plus cool pour pouvoir faire de la cuisine. Écoute, dans ce cas, dans un charnier, il y a des cadavres, il y a des trucs en putain. Dans ce cas, regarde, je chope le gros machin par la queue, je le tiens en l'autre jusqu'à ce que le palouf réussisse à le choper, puis tu le laisses hisser. Pour le grand et pour le petit, je le balance parce qu'on a foutre. Bah, moi, je vais remonter avec l'armure et le fusil. Et si j'ai rien trouvé au passage? Non, rien d'autre. Non, bon, je vais mettre de l'armure, mais quand Bob l'aura nettoyé. Mais il faudrait quand même retrouver nos équipements parce que bon. Bob l'aura nettoyé. Non, mais oui, avec les flammes, tu rigoles, mais ça fondra pas son armure et surtout ça empêchera toute infection et autres. Je suis désolé, c'est Pasteur qui a inventé ça. C'est le Bobomatique. Par contre, enfin, ça serait bien de retrouver nos armes et nos armures parce que bon, ça me ferait chier. C'est quand même une armure sacrée, une épée sacrée. Et bon, voilà. Grand Lake. Ah, du coup, je vais m'approcher des lézards. Voir avec Bob ce qu'on peut en faire, mais quand même la priorité aussi, je dis aux autres, c'est d'interroger l'intendant pour ses cuves derrière, parce que je suis quand même très très curieux, surtout que ça pourrait m'être utile. Très bien. Théo. Bon, alors moi aussi, pareil, intendant, vous êtes qui? Intendant Bragg, c'est ça? Oui. Comment vous êtes arrivé ici? L'organisation s'est retournée contre moi. Contre nous. Voilà. C'est quoi l'organisation? C'était quoi le plan à la base? Doucement, s'il vous plaît, doucement. Je sens votre empressement, elle est justifiée. Je vais tout vous avouer, je vais tout vous expliquer. La guilde des intendants dont je fais partie a cru bon d'investir une partie des richesses dans l'établissement d'une organisation capable de comprendre les gemmes, qui avaient quelque chose à l'œuvre. On a bien saisi, on a bien compris qu'une partie de la population développait depuis ces dernières générations des dons particuliers. Vous, les mages, les pyromages, certains nains au contact de cette technologie inédite dont qu'il semble posséder. Et donc la Guilde des Intendants a alloué un budget à l'établissement de cette organisation qu'on a appelée la Lune Invisible. Pour ne pas effrayer la population, on a mis au courant, mais on voulait garder ça sous contrôle. Et chevalier Vladimir Hannibal, qui était à la tête de cette organisation, a commencé à comprendre des choses sans nous en faire part. Apparemment, il a établi lui-même des objectifs parallèles. Et les intendants, les uns après les autres, nous sommes tombés. Je me suis rendu compte de ça trop tard. Quand le chevalier est venu me voir, il m'a dit quelque chose comme quoi les gemmes lui parlaient, l'appelaient, pour un destin plus grand encore, qu'il voulait faire quelque chose avec ça. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'ils se disent que celui ou celle qui maîtrise des gemmes de pouvoir maîtrise peut-être même la psyché qui en découle. Regardez ce que vous faites, vous, aujourd'hui. Enfant, élémentaire, nain, avec cette technologie, ou même vous, paladin, voyez ce que vous faites avec votre psyché. Imaginez une organisation qui pourrait maîtriser sans limite ces gemmes de pouvoir, peut-être même puiser ces gemmes, les surdévelopper. Une armée. Je ne sais pas. Peut-être. Qui est à l'abri de ça? Vous avez des gens fidèles encore? Quelques-uns. Là, je crois reconnaître une partie des catacombes qui avait été condamnée de la vieille tour. On est sous la ville? Oui. Vous êtes déjà venu ici? Vous connaissez le chemin, c'est ce que j'avais demandé. Ça avait été condamné. On avait alloué au départ une partie de cet endroit pour les recherches de la Lune Invisible. Le chevalier Vladimir Hannibal passait régulièrement
nous rendait compte, et puis je vous ai dit, ces derniers mois, il devenait de plus en plus secret. Il contrôlait l'information qui transitait entre les intendants. Très bien, vous... Au moment où on a commencé à se rendre compte de la supercherie. C'est vous qui êtes responsable de ces expériences, là, de non, ces personnes. Non, vous savez jamais. Ce qui leur arrive. Qu'on soit bien d'accord, je n'ai jamais autorisé ça. D'accord, mais vous connaîtriez un moyen de les sauver? Vous savez s'ils sont canés, si on peut faire quelque chose pour eux? Je pense qu'ils sont dans un état. Je ne sais pas s'ils peuvent revenir. Il faudrait pouvoir consulter les travaux, savoir ce qu'il a fait dessus. Bon. De ce que j'ai pu apparemment discerner, il a établi un lien entre la nature divine de certains individus, la psyché et les gemmes de pouvoir. Je peux presque aller vers la conclusion selon laquelle il peut se dire qu'il peut créer des gemmes à partir de certaines personnes. Bon. Une chose à la fois. D'abord, sortons d'ici en sécurité. Vous savez à peu près où on se trouve géographiquement? Vous connaîtriez un endroit où on pourrait se reposer en sécurité? Et enfin, dernière question, est-ce que vous savez vous servir de ça? Je pointe le fusil par terre. Et dernière question, où sont nos armes, nos matériels? Après, ça c'est sur la route. Je peux pas. Je suis pas convaincu qu'il le sache. Surtout si c'est un prisonnier. Déjà, est-ce qu'il sait se servir de ce fusil? Non, bah déjà, je vais répondre à la première question. Déjà, dès là. La question... Où est-ce que vous pouvez vous reposer? Si nous arrivons dans mes quartiers, je peux peut-être, si mes équipements, si les effets sont encore ici, vous pourrez prendre tout ce dont vous avez besoin. Parfait. Mais je ne saurais vous dire l'état de l'endroit. Je ne saurais vous dire si même le chevalier Vladimir serait lui-même dans la demeure. Bon. Deuxième question, vous savez vous servir de ça? Oui. Vous avez une arme de prédilection, quelque chose? Vous êtes un noble. Vous avez dû vous prendre ou vous battre. Oui. Il n'y a pas de munitions. Il n'y a pas de munitions dans le fusil? Ah bon, j'imagine. Si. Donc, il était prisonnier avec un fusil chargé? Mais il était paralysé. Tu peux pas utiliser un réflexion. Le fusil n'est pas chargé. D'accord. Oh non, tout à fait. Non, ça aurait été complètement débile. Moi, ça m'aurait paru logique. Non, mais ça m'aurait paru logique qu'on laisse un fusil chargé pour qu'il puisse se tirer une balle. C'est le genre de truc ça... vicieux. Oui, on utilise le fusil pour attaquer les reptiles. Pas avec une balle. Et pas par une balle. Le point est pour toi. Bon. J'ai pas tout écouté, mais les mecs derrière nous, là, dans les tubes, ils sont vivants ou morts? On sait pas. Ils sont dans le coma. Il faut trouver les recherches d'expérience. Ils sont plus proches. Ils sont en stase. Ils sont en stase, ouais. Ah bon, ça veut dire que bon, ok, bon. C'est-à-dire qu'ils sont semés. Les recherches pour savoir si on peut les sauver ou non. Bon, eh ben, okay. Monsieur l'intendant, tenez le coup, messire, on va vous sortir de là. Grenlec, comment avancent les sacs de venin? Ah, je m'occupais surtout de la bouffe, mais... Arrête de cuisiner ce machin et sors-moi un truc qui puisse servir d'arme. Alors, tout ça, on a récupéré de la bouffe en bas. On avance? Ça veut dire bon, ouais, cassons-nous. Ton armure. On a réussi à récupérer des trucs sur les... Sur ah les oui, il y a mon armure, c'est bon. Ton armure. Voilà. Moi, je garde le fusil au cas où. Et pareil sur l'araignée, hein. J'aimerais bien récupérer les glandes de venin sur l'araignée pour peut-être faire de longs gants ou je sais pas quoi. L'araignée, elle n'est pas assez développée comme celle que vous avez déjà rencontrée jusqu'à maintenant. D'accord. Pour pouvoir en tirer quelque chose. Cela dit, les glandes des lézards, ça, vous pouvez en tirer quelque chose. Et donc, Il y a au même moment, Shing, toi qui es à l'arrière, tu entends un léger sifflement. Voilà, tu es le seul à l'entendre vu que tu es plus éloigné du groupe. T'entends. Eh, confiant. Serpentard. Voldemort. Oh, princesse. Vous vous rappelez du couloir de tout à l'heure? Ça serait bien de se bouger le fion, j'entends un sifflement. En avance, allez. Et ce n'est pas Harry Potter. La musique de Fort Boyard. Ta-ta. C'est avant de courir. Attends. Il y a la musique, c'est bon, on y va. Alors, j'ai plusieurs questions. 1. Est-ce qu'on a récupéré l'intendant et est-ce qu'on a récupéré le fusil? 2. Est-ce que Théo a récupéré l'armure? Oui, donc je vais considérer. Tu as pris le temps pour mettre ton armure. Tu es armure à full, tu es revenu à 5 maintenant comme armure. Très bien. Bien. Parfait. Du coup, moi j'aurais bien vidé les cuves pour voir ce que ça fait, s'ils sont morts, vivants ou si. T'es con, pour l'instant ils sont en stase, donc ça veut dire qu'ils sont vivants. Mais si tu appuies sur le vidage de cuve, ils seront morts.
Parce que je suis sûr, il va atterrir dans la fosse. Si t'as pas regardé dans la fosse en dessous, il y avait des gros tuyaux. Donc, à mon avis, si t'as plus dedans, il va atterrir directement dans la fosse. Et le problème, c'est qu'effectivement, les cristaux de pouvoir pourraient y dériver. On sait pas ce que ça pourrait réveiller ou faire la merde ou une explosion ou n'importe quoi. J'en récupérerais bien de leur peau en grattant comme ça, mais on peut pas. On se casse. Qui a le fusil qui n'a pas de balle à l'intérieur? Moi, je le garde pour l'instant. Je peux taper avec, je sais pas. Utiliser la crosse. Tu peux générer des munitions. Tu peux pas générer des munitions explosives avec de la glace. Tu peux pas générer de la poudre. S'il te plaît. Ouais. C'est jamais. Bien tenté sur un malentendu, on s'est dit. Mais pour braquer au moins, pour bluffer, tu sais. Oh les mains, bougez pas. Enfin, voilà. Juste une question. Juste une question. Bluff. Si je mettais. J'ai plein de munitions. Si je mettais un projectile, c'est-à-dire un petit caillou, est-ce que je pourrais générer une explosion dans le canon du fusil pour projeter ce caillou? T'as halluciné, toi. Bah, je sais pas, lui il peut pas faire d'explosion avec de la glace. Moi je fais de la. Ouais, je fais, ouais, tant pis. Je fais pas d'explosion, je fais que du feu, tant pis. C'est vrai qu'il y a pas que moi qui. Par contre, Michael Bay, lui. Michael Bay, oui, il aurait pu. Il fait tout péter, lui. Au lance-roquette. Allez. Avec un seau d'eau, il fait un lance-roquette. Tu as récupéré, alors, dans l'ordre, j'aimerais savoir qui a récupéré donc les glandes des lézards, le petit produit paralysant. Grenek. Non, je les ai découpés, mais je les ai donnés à Bob. Moi, je vais essayer de prendre. Tu le noteras dans ton inventaire. Mm-hmm. Prendre un peu de chair de lézard, si on peut. Ouais, on va avancer. Grenier, prends les steaks. C'est cool. Mais on a déjà de la bouffe, arrêtez. Oui. On a jamais trop de bouffe. Jamais trop de bouffe. Donc, vous avez récupéré. Qui a le fusil? Moi, je le garde. D'accord. Toi, tu es revenu en mode tank, donc. Vous êtes tous dans la posture qui vous convient? Oui. Défensif, et je vais rester proche de l'intendant. Je sais que je peux pas bien le protéger, mais au moins, il faut quelqu'un le tienne. T'es en focus, là. Je sais, je suis en train de changer. Il semble être en posture défensive. Je vais le mettre en posture défensive. Et je vais lui prêter un de mes couteaux, si ça te dérange pas. Tu chines, tiens. Un couteau? Mais non, t'as plus tes... Bien sûr, attends, j'en avais deux. Ah merde, ouais, non, j'ai plus de couteau, t'as raison. Bah comment j'ai fait pour récupérer le... Le... Non, c'est Grenek qui a récupéré. Mais comment il a fait lui pour récupérer les sacs de bien Chine a pu générer un couteau. Oui, allez. D'accord. C'est magique. C'est valide, c'est valide. Non, c'est magique, c'est que tu. Enfin, cher, c'est... La cohérence, bravo, sur la focus. Cohérence. Ah oui, mais c'est la cohérence. C'est tout justement ça. Donc, tu ouvres la marche vers l'avant, c'est ça? Oui. Donc, je vous laisse avancer. Ok. Tu escortes l'intendant, Bob, c'est bien ça? Oui. Donc, je vais te donner les droits d'admin. Je vais considérer, à moins qu'il fasse un truc illogique, il va là où toi, tu le suggères. Et je peux genre l'arrêter en mettant le bras devant, genre stop, 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 stop. Voilà, exactement. Tu as désormais le contrôle de l'intendant. Ça marche? Ah, ça marche! Ah, il est chevelu, cet intendant. Il y a des cordes là, au passage, j'en en marque une, ça peut servir. D'accord. Pour pendre quelqu'un, un infidèle. Vous avancez. On fouille un au passage si jamais il y a des choses autres que les cordes. Ouais, j'aimerais lui poser la question. Vous avez la moindre idée de à quelle distance on est de la surface? De souvenir, on est au premier sous-sol. Je pense qu'on doit arriver dans mes quartiers à partir de là. Des gardes, peut-être, les vôtres, personnels. Deux secondes. Arrête de progresser, Théo. Quand tu arrives à ce niveau, vous voyez ici. Il y a contre le mur un squelette blanchi par le temps qui est enchaîné. Et quelque chose attire ton attention, Théo, vu que tu ouvres la marche. Tu vois certaines parties de ce squelette, de son ossement, qui brillent, mais qui brillent comme d'une poussière de diamant, qui recouvre certaines parties de son squelette. Le squelette tient très étrangement debout. C'est un squelette, normalement, c'est quand t'as plus de chair. D'accord, oui. Il est enchaîné. Donc, alors que tu as cette attention fixée sur la chose, sur le squelette, à l'approche de Grenley, il se produit un effet très, très inhabituel. Il y a un tremblement au niveau des parties recouvertes par ces poussières de diamants. Et quand tu t'approches le plus belle, quand tu arrives à peu près à cette distance-là, il y a le bras qui se lève du squelette. C'est pas ce que je pensais. Tu sens des vibrations dans ton bras qui est sans vie. Qui est attiré par cette poussière qui doit être permettre de constituer les gemmes de pouvoir. Je vais essayer d'approcher
Non, je vais essayer d'approcher le bras. Moi, je m'approche de le tuer, moi. Spooky ah, je pense scary. Que surtout que mon bras essaye de se nourrir. C'est un squelette qui bouge, il faut le buter. Non, non attends, non, il a levé le bras, mais pas vers nous. On est d'accord qu'il l'a levé à l'horizon. Mais vers le bras non, de Grand Lake. Il veut se nourrir, il veut se nourrir, je pense. Donc j'avance mon bras vers le squelette. Attends, approche. Je sais pas que... Est-ce que l'intendant peut s'approcher et lui demander ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il réagit? Il regarde Grand Lake et surtout il est surpris. Ah merde, car il a parlé de cette technologie un peu inédite, interdite, mais lui-même, il n'a fait que financer cette cellule qui est la Lune Invisible. Mmh. Il n'en est pas l'origine, dans la mesure où il n'en est pas le scientifique. Il n'a pas vu les derniers travaux. Si c'est un squelette, ça fait très longtemps qu'ils font ces expériences alors. Mmh. Bah, apparemment, c'est pas le premier. Hein. Et puis ils sont des gros adeptes de bondage. Hein. Regarde toutes ces cordes. Oh non, mais. Les parties du corps donc, qui se lèvent donc, sont soumises à deux conditions. Ces parties du corps sont recouvertes de poussière de pierres précieuses et se lèvent à l'approche de Grand Lake. Qu'est-ce que vous faites? Tour de table, Grand Lake, Théo. Moi, je m'approche, je suis comme attiré. Mon bras, de toute façon, il me dit de... Je pense qu'il me dit qu'il a faim. Donc... Je m'approche du squelette. Très bien. Les parties qui se lèvent du squelette se lèvent un peu comme un marionnettiste qui tire des ficelles. Ce n'est pas une animation, comme tu peux l'imaginer, Théo, d'un squelette qui va se lever et bondir pour vous attaquer. Oui, mais excuse-moi, je suis inquisiteur. Moi, je vois un squelette qui bouge, je casse le tronc. Là-dessus, je te l'accorde à 2000%. La prudence est de mise. Oui, mais c'est pour ça. Il ne bouge pas de manière agressive, il bouge de manière erratique. Ça ne fait aucun sens. C'est ça, c'est pour ça. Il bougerait en mode, il nous attaque, ce serait évident. Il prendrait une posture de combat, il agirait en tant que squelette. Mais là, il agit en tant que poupée. Ça n'a aucun sens. Exactement. Alors. Puis il est attaché, on risque rien. Oui, ils disent tout ça. C'est ce qu'ils se disaient vis-à-vis de toi, Bob. Oui. Alors. Après, ils ne me connaissaient pas. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Bah, fais ton truc, Grenek, parce que sinon, moi, quand c'est à mon tour, je lui éclate la gueule. De toute façon, c'est moi en premier. J'approche mon bras du... Juste avant, ce squelette. Je jette un rapide coup d'œil. Ouais. Il brille pas, lui. Non. Non, c'est bon, c'est clean. Tout va bien. Très bien. Donc, Grenek, non. Par contre, tu vois que cette matière diamantée sur le squelette peut être éventuellement grattée ou peut être retirée à l'aide d'instruments. Et quand je pose mon bras métallique sur cette substance, qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, ça vibre, mais il n'y a pas d'effet d'animation autre que cinématique. Qu'un mouvement. Bah, je vais essayer de gratter, si j'ai encore un des poignards de Chine, je vais essayer de gratter cette substance. Tu dois en générer de nouveaux Chine, étant donné que le temps a fait son œuvre et que les lames... D'accord, ok. Je suis le fournisseur de couteaux, très bien. allez, hop. Moi, je fais la bouffe, pour... hein, c'est pas... D'accord, bah tiens, je t'en générerai. Ouais. Et reste pas autant en arrière, Chine, avance-toi un peu. Ah, c'était moi qui faisais une imitation. Il est mignon, le machin qui avance. J'aime bien les blagues. Il est mignon, le machin qui avance, mais il a deux lézards à manger, donc il a le temps, normalement, hein, tout va bien. Oui, mais ça t'en sert rien. Mais ça peut être vif aussi, un serpent. Bah attends, si Grenek veut manger la viande de ce lézard, n'importe qui veut manger la viande. Vous voulez pas qu'on s'en aille? Je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ouais, allez, on se casse. Grenek, tu grattes donc la poussière de pierres précieuses autant que possible et tu arraches même des morceaux, des fragments qui ont été intégrés au squelette, qui ont été fixés. Et tu arrives à te constituer une quantité. Plus que symbolique de gemmes de pouvoir. Qu'est-ce que tu en fais? J'essaye de le mettre en contact avec mon bras un peu partout, voir. Tu as un compartiment. Tu as un compartiment. D'accord. C'est marqué inséré 3 piles AAA à l'intérieur. Tu comme veux. Tu retires donc après de longues minutes de manipulation avec les dagues générées par Chine. Tu prends la poussière précieuse, qui est pour toi plus précieuse encore que de l'or, même que de l'eau, et tu la mets dans ce compartiment que tu refermes. Tu entends des petits glissements. Ça rentre dans la mécanique. Ça rentre dans la mécanique. Et à ce moment-là, ton bras se tend subitement, comme possédé.
Ce bras nazi, mon dieu! Putain, merde! Bah, d'un autre côté, il voulait me tuer. Hein. Aux dernières nouvelles, il s'approchait de ma tête, il était pas content. Donc c'est l'âme du loup qui s'active. Putain. Le bras se tend, se replie, les doigts s'écartent, il tourne, les mécanismes se détendent un peu comme l'armure un peu d'Iron Man sur certaines parties, tu vois. Et tu sens le bras devenir infiniment léger. Tu gagnes en assurance, Kronlek. Tu te sens investi d'une nouvelle motivation lorsque les gemmes de pouvoir ne font qu'une avec ton bras.